Pour ceux qui ne connaissent pas Rosie, c'est une reine Camponotus maculatus que j'ai reçue en août 2022. Elle vous fait l'honneur de se montrer en plein milieu de votre écran. Et vous pouvez constater que Rosie n'hésite pas à venir donner un coup de main pendant la chasse. Rosie a une sœur qui s'appelle Rosa et qui se développe bien maintenant malgré une grosse frayeur le mois passé. Mais ça, c'est une autre histoire que je vous raconterai dans les semaines à venir. Lorsque j'ai reçu Rosie, elle n'avait que 4 ouvrières et nous sommes passés par des moments très difficiles. Aujourd'hui, tout va mieux et Rosie participe même à la chasse. Après m'avoir fait une grosse frayeur pendant une semaine en sortant tout le couvain dans l'aire de chasse, la colonie s'est relancée et aujourd'hui, 4 mois plus tard, elle compte environ 40 ouvrières. Mais voilà, aujourd'hui je dois dire adieu à Rosie et je vous explique pourquoi. Eh bien, salut tout le monde, vous vous souvenez tous, fin novembre, j'avais organisé un petit concours pour vous faire gagner une fondation de Camponotus maculatus et en l'occurrence Rosie. Et puis donc sur le live qu'on avait fait, on avait eu un gagnant qui se prénomme Jacques. Et Jacques m'a fait la bonne surprise de venir en personne chercher la fondation, chercher Rosie. Donc, ben voilà, je vous présente Jacques. Bonjour à tous, enchanté. Et donc, ben, vous allez voir, pas en direct, mais vous allez voir en vidéo. Donc, je vais remettre officiellement la colonie de Camponotus maculatus à Jacques. Donc, voilà la colonie avec Rosie. Donc, aujourd'hui, j'estime qu'on a environ 40 ouvrières. Alors là, c'est pas évident, elles sont toutes rentrées. Il y a 5 minutes, elles étaient dehors. Voilà, donc Jacques, ouais, eh ben écoute, je te remets merci officiellement la colonie que tu as gagnée. Merci. Et puis, ben, je suis heureux de t'avoir rencontré en personne. Ben, moi aussi, très belle colonie, ça m'a permis de voir aussi un petit peu ton installation. Voilà, super. C'est très bien, je suis très nickel. Heureux, merci beaucoup. Voilà, ben, écoutez, merci à tous, c'était une vidéo ultra courte. Je vous prépare une grosse vidéo là, sur ma fondation de Messor Barbarus à Deux-Rennes qui se développe à une vitesse extraordinaire. Donc Jacques a vu la colonie de Messor Barbarus à Deux-Rennes qui se développe assez vite puisqu'on est déjà à 6 ouvrières au bout de 15 jours. Donc je vais vous montrer ça prochainement. En tout cas, merci à tous. Partagez la chaîne. N'hésitez pas à liker mes vidéos. Je vous dis à bientôt. Ciao.